Non, non, la tête n'est pas bonne pour commencer le vlog. Attends, on reprend. C'est beaucoup mieux. Bonjour et bienvenue dans un vlog incroyable du Turfu. Vraiment un truc de dingue. Je suis super contente. Bienvenue dans mon premier voyage presse. Wouhou! Bon alors, voyage presse, si tu connais le décor, tu l'as déjà vu. On est dans le bureau de ma mère. On est chez ma mère à Bordeaux. J'ai un cheveu qui me passe devant les yeux. Mais il n'empêche que je suis là pour un voyage presse. Et oui, ma première OP, my first trip. Abroad for work, you know, c'est pas Dubaï, c'est pas Los Angeles, c'est pas San Francisco, c'est pas Tourcoing, c'est Bordeaux. Et je suis super contente, on fait ça avec Espace Plaisir pour la Saint-Valentin. Et vraiment c'est un truc de ouf, c'est une OP qui a été montée de toutes pièces par mon agence Aura. On est plusieurs sur le coup et vraiment je suis trop contente de participer à ça. Je suis hyper heureuse qu'Espace Plaisir ait accepté une façon innovante de parler de la Saint-Valentin et de mettre en avant sa boutique, donc c'est trop chouette. Bienvenue dans l'opération QR code. L'objectif de cette opération, c'est que je vais avoir des autocollants avec des QR codes dessus et je vais coller les QR codes autour de la boutique d'Espace Plaisir, parce que oui, si tu ne le sais pas, Espace Plaisir c'est un site, c'est le plaisir à la française, c'est plein de super choses, mais c'est aussi des boutiques physiques dans plusieurs villes de France. Je vais te dire ça tout de suite où elles sont, parce que moi je suis à Bordeaux, je sais qu'il y en a une, mais je connais pas la liste de toutes les boutiques. Attends. Il y a donc 4 boutiques en France, Lyon, Toulouse, Lille et Bordeaux. Et moi je suis à Bordeaux pour te parler de celle de Bordeaux. Mais l'opération a sans doute lieu dans d'autres villes, on ne sait pas, à voir. En tout cas ce qui est sûr, c'est que à Bordeaux, je suis là avec une autre copine influenceuse que tu verras plus tard. Et on va te présenter la super boutique d'Espace Plaisir à Bordeaux. L'objectif de cette vidéo, c'est que je vais mettre des QR codes dans la ville. Je vais te montrer les images et si tu trouves un QR code et que tu le scannes, tu as moins 20% sur toute la boutique Espace Plaisir. En physique, tu scannes, tu montres que tu l'as scanné et bim bam boum, c'est fait. Le truc de ouf. Vraiment, je suis super contente de participer à ça et on est parti en fait. Genre, c'est parti pour cette opération presse du feu de Dieu. Vraiment, il y a 10 jours, Lola m'a appelé, mon agente, et elle m'a dit, ouais Lou, alors c'est un peu le rush, mais est-ce que t'es chaude pour cette OP? C'est-à-dire, dis-moi plus. Et elle m'a tout raconté et moi j'ai dit, bah oui, bien sûr, j'y vais. Voilà. J'ai vraiment une sensation d'avoir franchi un cap en fait. Tu vois, le moment où une influenceuse part à son premier voyage presse. Donc bon, ok, c'est à Bordeaux, ok, c'est chez ma mère, mais c'est pas grave, genre c'est vraiment exactement ce que je veux. Mettre en valeur des initiatives en France, mettre en valeur des boutiques physiques, proposer une autre façon d'aborder la Saint-Valentin où tu peux aller en boutique, te faire conseiller. Tu n'as pas besoin de faire tout en ligne. Parce que moi je suis là, ok, tu peux m'écrire en DM, j'ai reçu plein de DM déjà pour la Saint-Valentin. Tu peux m'écrire, il n'y a aucun souci, mais les personnes en boutique seront des personnes compétentes qui pourront t'indiquer, en plus de toi pouvoir tester les vibrations, les joujoux en direct. Donc c'est quand même un super avantage de pouvoir aller en boutique. Donc vraiment, voilà, moi je suis là pour te parler de celle de Bordeaux. Il y en a une à Toulouse, à Lyon et à Lille, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Merci à Espace Plaisir de m'avoir compté dans cette opération. Je suis hyper contente de faire cette opération, si c'est pas clair encore. Et on va y aller. Allez, c'est parti. Petit outfit check dans le seul miroir de plein pied de cette maison qui est dans l'atelier avec tous les outils, les chaises longues, le parasol, enfin vraiment c'est d'une logique incroyable. Ma combinaison Fashion Nova tout simplement parce que je veux être stylée et confortable toute ma vie et les bottes de Altercore que j'ai trouvé sur Zebra Vegan Shop qui m'ont été envoyés gratuitement. Tous mes bijoux Ana Luisa, un maquillage que tu ne peux pas voir là maintenant parce que la luminosité est catastrophique et des cheveux tout propres. Yay! Allez, c'est parti! Première étape, vloguer seule dans la rue avec du vent. Merde, j'ai oublié un parapluie. Eh, tant pis. Je dois retrouver mon frère qui est mon stagiaire, mon monteur, et là pour cette vidéo, mon réalisateur qui va vraiment tourner toute la partie sponsorisée. Donc voilà, première étape, je le retrouve. Deuxième étape, nous avons un souci. Mon agente Lola, qui est ici avec moi, que je retrouve à Espace Plaisir, vient de me dire que les QR codes sont introuvables. Voilà, donc la raison pour laquelle je suis là, à Bordeaux, c'est ces fameux QR codes, et je ne vais sans doute pas pouvoir les coller parce que ils sont introuvables, on ne sait pas où ils sont passés. Il y a eu un cafouillage quelque part, on ne sait pas à quel niveau. Bon, alors là pour le coup, bon, Mercure rétrograde, hein. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? Vraiment, je ne vais pas chercher à accuser qui que ce soit. Bon, eh bien, je te tiens au courant de la suite des événements. J'ai retrouvé mon frère, mon stagiaire. Salut. Tu es le stagiaire de 3ème? Je suis le stagiaire de 3ème, ça se voit d'ailleurs, et je suis prêt à stagier. À stagier? Vas-y, bah stagie, tiens. Tiens, changement de caméra, wouh! Yay! Maintenant, faut que je prenne le micro parce que Swan me force à avoir un meilleur son. Et
Excellente nouvelle, c'est bon. Les QR codes sont bien arrivés en boutique, tout va bien, fausse alerte. C'était juste qu'ils étaient introuvables, mais ils ont été retrouvés. Du coup, on est rue Sainte-Catherine, on s'approche de la boutique Espace Plaisir et on apprend à fonctionner de façon reportage. Hein. J'avoue que entre ce qui se passe chez moi, dans ma chambre, dans ma cuisine, ça va, tu vois. Mais marcher en plein milieu de la rue Sainte-Catherine sans regarder où on va et en te regardant dans toi, c'est un petit peu difficile. On est comment, Swan, sur le micro, là? Oui, ça va le faire. Très bien, très bien, très bien, super. Bon, eh bien, un petit peu de nervosité hein, dans l'équipe frères-sœurs actuellement. Nous avons envie de faire... Tout va bien. En fait, Swan, là... Ouais, d'accord que les effets que tu voudrais mettre au montage, tu les rajoutes directement sur le tournage. Oui. Bon, très bien. Rien, on approche bientôt, j'ai rien de plus à dire, coupé, c'est fini, allez. Merci beaucoup, c'est très gentil. Hop. Waouh. Alors ça, un petit œuf Tenga, quand même très très chouette pour la Saint-Valentin. Ils sont assez rigolos, ils ont envoyé un masturbateur sur la Lune. Enfin non, dans l'espace, pas sur la Lune du tout, dans l'espace. Dans l'espace? Ah ça je savais pas. Regardez. J'ai cru que c'était une vanne. j'ai regardé sur leur site en japonais et j'ai vu qu'ils ont envoyé un masturbateur sur la Lune. Enfin, dans l'espace, et la vidéo est sur YouTube. Waouh. Il y a dans la barre d'infos. On va le chercher parce que là, c'est un truc de dingue. J'ai une envie de tester ça. Espace Plaisir. Je sais que vous allez me voir vu qu'il faut valider la vidéo. Ça, je le veux bien en, je sais pas, en cadeau d'anniversaire. Ça fait bientôt 2 ans qu'on collabore ensemble, nos 2 ans. Hein? Ouais? Allez. Allez. Ça va le grattage? Ouais. Yes. On est donc parti pour coller dans Bordeaux, hein, et puis juste à côté de moi nous avons la fameuse, la célèbre, bonjour, la talentueuse Lola. Bonjour. Voilà. Je suis très contente belle, d'être là. Oui. Elle est jolie, hein. Elle est intelligente en plus. Oui. Enfin, voilà. Allez, c'est parti, on fait un petit plan dynamique de moi en train de coller des trucs et ça va aller vite. Et l'objectif, c'est que tu arrives à capter où est-ce qu'on est et tu peux mettre des arrêts sur image. Comme ça, bim, tu sais où est l'autocollant, tu peux aller le scanner et t'as moins 20%. Et on est d'accord, tu me confirmes, Lola, que c'est illimité. Tout le monde peut scanner le code. Alors, tout le monde peut scanner le code. Vous avez moins 20% en boutique uniquement. Et donc, oui, le but, c'est de trouver les QR codes comme une espèce de grande chasse au trésor. Il y en a des assez évidents et d'autres des plus cachés. Le but, c'est de trouver les indices. Évidemment, idée originale aura. Hein. Moi, juste, je récupère le prestige de coller les autocollants. Savoir que sur un des poteaux, là, sur cette place, à la Villa Saint-Pierre, rue du Mulet, il y a un QR code qui est collé sur un des poteaux. Wouche. La promenade Sainte-Catherine, un endroit vraiment central de Bordeaux si tu connais. Donc je vais en cacher 2 dans toute la promenade Sainte-Catherine. Ils sont vraiment bien cachés, ça va être les plus difficiles à trouver. Si tu les trouves, tu m'écris sur Insta pour me dire que tu les as trouvés parce que genre tu seras le ou la grande gagnant-gagnante. Franchement, on est sur un niveau ultime quoi. Je te ferai un cadeau. Tu m'écris, je te ferai un cadeau. Espace Plaisir.
Et voilà, c'est terminé, cette incroyable opération est finie. On a collé tous les QR codes, une trentaine dans tout Bordeaux. La carte s'affiche juste là. En gros, la zone colorée, c'est la zone où va y avoir tous les QR codes. Il y en a 30, il y en a qui sont collés genre sous des bancs, il y en a qui sont collés de façon extrêmement évidente. Donc n'hésite surtout pas à m'envoyer des messages si tu les trouves. Il y a du vent, j'espère que tu m'entends en direct de la place de l'Opéra. Merci beaucoup à Espace Plaisir de m'avoir suivi dans ce délire et je t'invite à chercher dans d'autres villes, peut-être à Lille, à Lyon, à Toulouse, on ne sait pas. Et puis moi, là, on va juste prendre un petit verre avec Lola. Après, on va... Enfin, tu vois, le vlog, il continue, la journée, elle continue. Mais l'opération, elle est terminée. Mille années de parents lesbiennes, c'est une femme incroyable. Voilà. Je te mets son lien pour son Insta en barre d'infos et sa chaîne YouTube. Eh oui. Elle sort quand la prochaine vidéo? Il sort quand ton vlog? Vendredi. Ben, il sort dimanche prochain. Donc le lien de la chaîne YouTube de Villamé, parlons lesbiennes, en dessous en barre d'infos. Nous sommes dans la rue Sainte-Catherine et Villamé, au début de la rue Sainte-Catherine, elle s'est dit on va faire un TikTok, mais vraiment elle avait pas d'idée, elle avait rien, elle a juste dit on va faire un TikTok. On est arrivé à la... Pardon, je parle. On est arrivé à la fin de la rue Sainte-Catherine, elle a déjà presque fini le TikTok. Moi je vais démissionner meuf hein. Ma lettre de démission. En fait, il faut venir me suivre. Voilà. Si vous voulez plus de contenu avec Loupche, voilà, vous m'appelez. C'est gratuit, moi je suis gratos. Je suis impressionnée. Par contre, la moto, la vérité, j'ai pas signé pour. Je prends très à cœur mon rôle de TikTokeuse, vraiment. 25 000 abonnés là, on est sur un investissement. Tout à fait. Moi je me sens vraiment en immersion dans un monde étranger. C'est facile. Bah ouais, ça c'est les youtubeuses, tu vois. Et me voilà seule, de nouveau, il est 20h36. Je suis partie à 13h45 de chez moi, sans savoir si les QR codes étaient bien arrivés, si je pourrais faire l'OP. Et je rentre chez moi, enfin chez ma mère, à 20h40, en ayant marché 10 km en talons. Je suis vraiment très très fatiguée, j'ai marché 15 000 pas. Oh, il se met juste à pleuvoir, je suis presque arrivée. Mais quelle chance j'ai eu, il a fait beau et tout, enfin t'as vu les images. Truc de ouf, j'ai pas filmé les 2 heures que j'ai passé avec Lola, mais c'était trop chouette. Après j'ai vu Bilamé, c'était trop chouette aussi. Enfin vraiment... Un bonheur cette journée. Je suis pleine de plaisir, d'amour, de reconnaissance. Trop trop chouette d'avoir cette expérience grâce à Espace Plaisir, de vivre tout ça. J'en parlais avec Bilamé sur le fait de vivre de notre métier, enfin du métier qu'on fait, tu vois, de vivre de cette passion là. Et c'est vraiment quand même une super chance. Et c'est grâce à toi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est dingue, il se met vraiment à pleuvoir. Au moment où je rentre chez moi, genre je suis à 300 mètres de chez moi là. C'est trop de chance quoi. Bref, je te reprends après dans ma chambre tard ce soir. Mais là je vais dîner avec ma chère mère qui part demain à Paris. Moi je rentre demain à 13h. Le programme c'est, j'ai un rendez-vous pro du coup avec Lola. Donc vu qu'on est dans la même ville, on va se voir en vrai. Parce que bah, ce serait quand même dommage d'être en visio alors qu'on est dans la même ville. Ensuite je dois aller donner les rushs de ce vlog à mon frère vu qu'il va les monter. Donc plutôt que de passer par Drive, vu qu'il vit à 10 minutes de chez ma mère, je vais lui filer les rushs. Et après j'ai mon train à 13h. Donc vraiment demain ça va être une journée particulière. Je rentre à Poitiers 14h30, 15h. Et je crois qu'elle m'attend pour dîner. C'est pas très sympa, je suis un peu en retard, mais bah j'ai passé du temps avec Bilamé, enfin tu vois tout ça. Allez, à tout à l'heure dans ma chambre pour débriefer et conclure ce vlog. Et voilà, je suis dans ma chambre, ne pose pas de questions. Ceci est effectivement une porte de prison faite maison pour le clip que mon frère a réalisé. Un clip qui s'appelle Tout ou Rien, pour pas pour lui, pas pour sa musique à lui, mais pour la musique de quelqu'un d'autre. Parce que je crois que le clip n'est pas encore sorti, mais Swan, tu confirmes au montage mes dires. Mais bref, j'ai une porte de prison stockée dans ma chambre depuis plusieurs mois maintenant. On vient de dîner, je suis dans ma chambre, je suis absolument épuisée. Je suis quelqu'un d'extraverti, j'adore être avec les gens, mais j'ai vraiment une période réfractaire. J'ai besoin, c'est pas réfractaire le mot, mais j'ai besoin d'un moment où je dois me ressourcer. Et là du coup, faire 2 heures de tournage, plus rencontrer Lola pour la première fois, plus rencontrer Bilamé pour la première fois, c'était beaucoup. Plus travailler ce matin, enfin être pensée en termes de tournage de vlog, pensée en termes de tournage de story, c'était beaucoup pour mon petit cerveau. Et donc du coup je suis vraiment très très fatiguée, j'ai vraiment besoin de me reposer, de me ressourcer là ce soir. Donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, je pense que je vais faire une
petite séance de méditation, respiration, un petit peu de prière, enfin tu vois, pas que dormir, vraiment me rincer. Un petit peu de YouTube, une petite vidéo YouTube en me démaquillant, un truc comme ça. Oulala, ouh. Mais c'était une trop jolie expérience, je garde la même énergie que intérieurement en tout cas, qu'au début de cette vidéo. Je suis tellement contente d'avoir fait ce voyage presse, cette super opération presse avec Espace Plaisir. Vraiment trop chouette pour la Saint-Valentin. Tu te rends compte quand même, c'est quand même stylé de se dire que pour la Saint-Valentin, Espace Plaisir s'est dit allez, on va envoyer les créatrices dans les rues des villes pour coller des QR codes. Je trouve ça trop chouette quoi. Enfin vraiment, merci Espace Plaisir d'avoir suivi Aura dans cette super idée très originale et qui sort un peu des codes de l'influence classique. Et moi j'adore en fait faire vraiment des activités, des choses, des projets créatifs comme ça. C'est trop trop chouette. Bref, il y aura d'autres indices que dans cette vidéo sur Instagram, d'autres indices en reel le 11 février, en story aussi le 8. Donc voilà, n'hésite surtout pas à me suivre sur Instagram si tu veux avoir d'autres indices pour où sont les QR codes. Et n'oublie pas que si tu scannes un code, tu auras moins 20% en boutique. Et si tu n'habites pas dans une des 4 villes où il y a une boutique, tu as toujours évidemment le site Espace Plaisir. Sur ce, je te laisse. Mes yeux ont déjà décidé de disparaître dans leurs orbites. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Espace Plaisir de l'avoir sponsorisé et de m'avoir permis de vivre ce super moment. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi pour une prochaine vidéo.